Yo tout le monde, c'est Pyre Master et aujourd'hui dans la vidéo sur Fortnite, on va tout de suite tester une map zombie un peu à la Call of Duty Black Ops 2. Donc j'ai vu ça en tendance, j'ai fait pourquoi pas tester. On va se lancer en partie privée, mais avant de se lancer, je tenais encore une fois à vous remercier. En 5 jours, on a pratiquement fait les 500 vues, là vous êtes vraiment à fond sur la chaîne. Vraiment merci beaucoup, on continue comme ça, on essaie vraiment de péter les 500 abonnés avant la fin de l'année. Je sais que vous en êtes capable, vous êtes vraiment 500 vues sur les vidéos, donc on peut avoir les 500 abonnés très très facilement, donc si vous le faites franchement, je ferai un concours, je sais quoi, je ne sais pas quoi comme concours, mais je ferai un concours pour vous remercier en tout cas de ces 500 vues. On fait jamais en dessous de 10 pouces bleus sur chacune de mes vidéos, franchement, je tenais vraiment à vous remercier, vous êtes des fous. Donc franchement, continuez comme ça, n'hésitez pas, vous êtes les meilleurs. Bon allez, on va se lancer, allez, c'est parti. Je viens d'arriver sur la map, et déjà je peux voir que la map elle est mais super belle, donc en vrai, là le mec a fait une qualité de fou sur la map, franchement c'est vraiment magnifique. Mais avant de se lancer aussi, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, vous abonner, activer la petite cloche, c'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ok, c'est en anglais. Ok. Donc, pense qu'il faut faire étape par étape. Alors, nous arrivons, nous avons 16 armes. Ok. Ok. Enfin, j'essaie de comprendre un peu ce qu'il dit. Donc, il y a des sortes de trucs qu'on peut récupérer. En vrai, c'est vraiment bien fait quoi. Ah, oh ouais, on peut choisir une classe et tout. Ah oui, d'accord. Et des classes. En fonction des classes que t'as, tu peux choisir les armes que tu veux. Alta, résolution 3D. Bon, après, ça, c'est sûrement en fonction du jeu. Après, je sais pas si c'est vraiment une fin à la map ou si c'est comme Call of Duty, le mode de jeu est infini. Je ne sais pas du tout. Enfin, bref, on va se lancer, on va voir ce que ça va donner. Ok, donc du coup, là, est-ce qu'on peut choisir notre classe? Ah, il m'a fait peur ce fou! Mais wesh, pourquoi? Wesh, wesh! Il m'a fait trop peur! Wouah, le fou, il m'a fait trop peur! J'essaie de changer ma classe, il m'a fait trop peur! Wouah! Oh, le fou! Bon, je sais pas, j'ai pas fait forcément attention à comment changer de classe, mais. En tout cas, il m'a fait super peur, le mec, quoi. Donc là, du coup, alors attendez. Donc là, il y a déjà des zombies. On va pas perdre de temps, on va directement les fumer. En vrai, j'aurais peut-être pas dû lancer la map tout seul parce qu'en vrai, il y aura masse de zombies. Et ça me rappelle un peu à l'ancienne Call of Duty et tout, pour ceux qui ont joué. Dites-moi en commentaire si vous avez joué Call of Duty et si vraiment ça vous plaît d'avoir des maps comme ça un peu à l'ancienne. Donc en vrai, là, je vois que de temps. En vrai, on voit pas grand-chose, heureusement. Ouais, même la lampe torche, ça sert un peu à rien. Oh, on peut acheter la pompe. 50. Ok, on a acheté un pompe. Ah bah y a des flèches qui nous disent d'aller là. On va y aller, on va voir ce que ça va donner. Hop. Par contre la map est vraiment super belle. Franchement, elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? On peut pas escalader. Est-ce qu'on peut rentrer là? Non, on peut pas. Ah, attendez, c'est quoi ça? Ah, ça c'est pour avoir des balles et tout. Ah ouais, par contre c'est vraiment bien fait les boîtes et tout. Donc ça, hop, on va vraiment prendre pas mal de balles. En vrai, on va se mettre bien niveau balle comme ça, on va pas en manquer. Donc en vrai, donc ici c'est les munitions. Ok. On va aller voir directement au petit rond blanc là ce qu'ils veulent, sans éviter de se faire tuer par les zombies. Alors, par contre, le recul de cette arme, c'est abusé. Donc, on va directement se diriger. Là. Attendez, le totem là tout à l'heure, il en parlait. Donc qu'est-ce que c'est? Un speed. Ok, d'accord. Avec ça, on peut obtenir un speed. Ok. Vraiment là elle est vraiment bien faite et tout. Donc là on va attendre la prochaine horde de zombies. On va essayer d'obtenir le pouvoir du speed là. Et on va voir vraiment si ça vaut le coup de l'avoir acheté. Ça y est, la seconde manche vient d'arriver. Et honnêtement il y a l'air d'avoir vraiment masse zombies. Je sens que ça va être très chaud celle-là. En vrai ça va, ils sont pas si fou que ça les zombies. Ils lancent rien pour l'instant. En vrai je pense que ça va être de plus en plus dur en fonction des manches. Mais là on a assez pour acheter le speed, on va le prendre. Hop, on se dépêche, on se dépêche. Voilà. Wesh, bah ça nous a rien donné. Ah, ok, wesh, c'est nos armes, ils ont changé, j'avais même pas vu. Ok, d'accord. Ok. Attendez, mais en fait c'était quoi? Spécial forge, équipement. Ah, ok, je croyais que c'était un speed, j'ai mal lu, d'accord, ok. Donc là, en vrai, on a des armes qui sont un peu plus, on va dire, cheatées, on va dire ça comme ça. Donc là, on a un grand river, qu'est-ce que c'est? Bah c'est rien, d'accord, ok. Je pense qu'il faut qu'on se dirige par là. Là il y a une sorte de petite étoile, on va voir ce que ça va donner.
Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, ok, c'est des portes à ouvrir. Ok, donc là, je pense que c'est encore un nouveau pouvoir. Qu'est-ce que ça va être ce pouvoir? Ah, là, il nous faut 1000. Donc là, c'est pour changer de skin. Donc en vrai, on va rester ici. On va attendre la prochaine horde de zombies. On va faire l'argent qu'il faut pour avoir ça. Et on va voir ce que c'est comme pouvoir. C'est bon, on a les 1000 points. On va vite aller acheter le truc. On va voir ce que ça va nous donner. Parce qu'on va avoir des armes encore plus cheatées. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que ça va être? Attention. Alors, je sais pas du tout ce que ça m'a donné. Dans mon inventaire, ça m'a... Je sais pas si c'est ça. Oui, c'est une... Je sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, on a claqué nos thunes pour rien. Donc là, faut vraiment qu'on refasse des thunes pour avoir le pouvoir de la rapidité. Et après, voir ce qu'on peut faire pour réussir à terminer. Justement, le jeu peut-être, ou je sais pas. Mais là, on est sur la manche 8 déjà, c'est plutôt pas mal. Ça y est, j'ai fini cette... Wesh, ouais, il court super vite, j'allais dire, je viens de finir la manche. Mais la manche vient de se relancer, je suis arrivé manche 11. En vrai, c'est super chaud depuis tout à l'heure, je suis en train de galérer. En vrai, on va essayer de le prendre quand même super rapidement. Ok, c'est trop long, on attendra la fin de la manche. Parce que là, en vrai, c'est super chaud. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me faire surprendre par les petits là qui font que crier. En vrai, c'est super chaud, je pense que j'aurais jamais dû lancer tout seul. Depuis tout à l'heure, je vais que essayer de l'esquiver. Ça devient de plus en plus dur. Donc là, wesh, ils ont bugué ou quoi? Ok, bon, on va en profiter pour tous les tuer. Hop. Ok, ils sont buggés. Autant pour nous. Hop. Ok, donc on va en profiter vite pour avoir le speed boost parce qu'en vrai, ils font que courir super vite. Et je sens que je vais être à court de munitions. Donc on va vraiment se dépêcher d'aller au prochain, voir ce que c'est. Donc on va aller au rose là-bas, au violet, voir ce que ça donne. Et par contre les zombies ils courent super vite, c'est super chaud. Je sens que là, si ce truc là coûte super cher, je sens qu'on va galérer. Combien il coûte lui? 1000 coins, oh laisse tomber. En vrai ça va. Là j'ai trouvé la technique en fait, faut les laisser monter sur une voiture et les laisser bugger comme ça. Et là au moins on a juste à tous les laver. Comme ça on achète juste le pouvoir et après on va être fair play. On va acheter le pouvoir. Et ensuite... Ok, je pense que ça c'est un augmenteur de dégâts. Ah oui, ok, donc ça fait vraiment masse, les gars. On va tirer avec le poumon, voir ce que ça fait. Ouah, non, je suis encerclé. Ouah, non, c'est super chaud, wesh, en vrai. En vrai, c'était super chaud. Donc là, en fait, ça, c'est un augmenteur de dégâts. Donc là, le prochain, où il est? Donc le truc en or, là-bas. Oh, non, je crois qu'on a déjà été à celui-là. On a déjà été à celui-là. Là, j'ai pas été par là. Donc là, il y a... Ok, il y a encore un truc... À 1000 coins, on va faire en sorte de survivre, on va essayer. On a pris des dégâts dans la lave, mais bon, enfin, on a même pas pris, ils ont même pas eu le temps de nous en mettre. Mais en vrai, c'est vraiment super chaud. Regardez tous les zombies qu'il y a, laissez tomber. C'est super chaud, en vrai. Là, il nous faut un machine gun ou un truc comme ça, parce que j'ai vraiment pas assez de balles, quoi. Oh, wesh, il y a des sous, là. Wesh 4000. Oh, bah, on va lâcher directement. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Ah d'accord, ok, donc là on a un stuff encore un peu plus, on va dire, bizarre, on va dire ça comme ça. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. Ah, quoique, en vrai, si. Celle-là, elle spam bien, cette arme, ça va. Ah. Mais là, en vrai, on a de quoi acheter vraiment plein de trucs, donc on va vraiment essayer de survivre. Et essayer de voir ce qu'on peut acheter avec tout cet argent que j'ai trouvé. Je sais pas pourquoi elle était là, mais... On a eu... Donc ça, on a déjà acheté. Mais là-bas, il y a un truc, je crois. On n'a pas été par là, je crois, non? Si, là on a acheté celle-là. Ouais, si, là on a acheté. On va rester avec celle-là parce qu'en vrai, cette arme-là, ça a l'air d'être pas mal. Donc, là, le truc doré, c'est quoi? Il n'y a pas été. En vrai, je suis sûr qu'il y a des trucs à faire. Ah, attendez! Ok, c'est une mystery box! Ok. Ah, ouais, c'est vraiment trop stylé. C'est une boîte mystère et tout. Ok. Ok, d'accord. Donc, en vrai, c'est trop stylé, il y a même une boîte mystère et tout. Oh, bâtard, il m'a fait super peur, l'enculé. Ouah, j'étais vraiment pas prêt. Ouah, le fou, il m'a fait trop peur. J'ai sursauté de ma chaise, j'ai eu trop peur, ouah, le fou. Et il me fait coucou, tout ce coup. Mais oui, je t'ai fumé, ça y est, tu feras pas peur deux fois. Il fait vraiment trop peur, j'ai eu trop peur, laissez tomber. En vrai, on va essayer quand même de faire d'autres armes avant de retourner les défoncer. Pompe à lier. Ou celui-là. Ok.
En vrai, si on peut laisser de côté comme ça, on voit ça bien. Ok, donc la boîte peut changer de position. Maintenant, on va savoir où elle est. Je sais pas. Il me fait peur à chaque fois. Il abuse. Donc là, ok, pareil, encore une pièce. Mais ça me donne... Ouais, 4000 à chaque fois. Ok, tranquille. Mais en vrai, il me fait trop peur l'autre, là, le petit. Là, cette fois, il y a des zombies puants. C'est vraiment chaud parce qu'en vrai, faut vraiment que je les élimine de super loin. Sinon, je vais me faire empoisonner à chaque fois, là. Genre là, je sens que ça va être super chaud de survivre. En vrai, ça va, cette arme-là, elle fait masse dégâts, par contre. Waouh, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de zombies. On a la manche chaise. En vrai, c'est super chaud. Laissez tomber, je sais pas comment je vais survivre, mais c'est super chaud. Donc la dernière manche devrait arriver en théorie, et après on aurait fini le jeu. En théorie, j'ai bien en théorie. Donc là, il nous faudrait vraiment une arme de fou furieux. Ok, donc pas ça déjà. Donc en vrai, on va essayer de finir la dernière manche, et on va voir ce que ça va donner. C'est la toute dernière ligne droite, et après, en théorie, on aurait gagné. Ramenez vos bandes de zombies de fou. Waouh, ouais, non, t'as pas fait peur cette fois, frérot. Je t'ai vu arriver de loin. Waouh, il est super gros, mais wesh! La fin du jeu. Waouh, et dans 3 minutes, je suis vraiment low. Faut vraiment qu'on speed. En vrai, c'est super chaud. Oh là là, c'est super chaud. Waouh. On va essayer de survivre vraiment. Waouh, c'est super chaud. Non, 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 on va pas mourir si près du but. C'est super chaud, hein. Regardez tous les zombies qui me courent après. Heureusement que j'ai le speed boost et que j'ai tout acheté. Regardez tous les zombies. Super chaud. Ouah non, je vais mourir. J'ai presque plus de munitions. Vite qu'on aille en chercher là-bas. Allez, foutez le camp. Ouah non. Ok, je les ai coincés. Hop là, on l'a esquivé. Wouah. Par contre, ils font vraiment super mal. Non, 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 non. Je suis mort à la fin, mais non. J'ai perdu, mais non. Ah, j'ai survécu 18 minutes 22. Quel dommage. Ah, j'étais vraiment à court de balles. On a fait 322 éliminés. Putain. On était vraiment si près du but. Bon, malheureusement, on est mort, on était si près du but, mais on n'a rien pu faire, ils étaient beaucoup trop nombreux. Mais honnêtement, on pourrait peut-être faire une partie 2 avec quelques abonnés, par exemple. Donc, n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre des likes aux 10 pouces bleus. On refait une partie 2 avec peut-être vous, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Fortnite. Tout est dans la description, pareil, mon Insta, mon Discord, donc n'hésitez pas. Tout est dans la description, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. Enfin bref, on va se laisser sur cette petite fin de vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche parce qu'on est très proche des 300 abonnés. Objectif 500 abonnés avant la fin de l'année, je vous le rappelle encore une fois. Enfin bref, allez, c'était Pyrmaster, allez, ciao ciao.